Bonsoir tout le monde. Moi, je choisis de parler dans un moment ça pour expliquer quelques des informations qui ont circulé sur la police là et pour te une parole institutionnelle qui cadre avec réalité, avec vérité. Premier point, c'est question blindée. Ma fait opinion publique là connaît que la police là pas engagé aucune négociation avec bandit village de Dieu pour récupération blindée. La police a été informée que blindé a été abandonné au côté. Le nous connaît qui ça un matériel qu'on ça présenté comme danger pour population à pays. Nous te prenons toute disposition de sécurité au-delà de toute considération pour aller chercher. Quant à corps policier qui toujours dans village là, la police pas ménager aucun effort pour les retrouver. Mais tout moyen pour arriver à résultat ça. Pas doit exposer Britsoukou, la ville l'autre policier, à même qualité danger qui t'a frappé policier nous yo 12 mars là. C'est peut-être ça, n'a pas cherché qu'un bien dialogue permanent avec famille qui besoin corps petit pour yo enterrer. Ça pays a tant de nous dans situation ça, n'a pas fait. C'est un engagement et n'a pas respecté. Sous décision qui prend après événement yo, concernant IG Boucher, c'est pour les policiers qui quittent l'inspection générale, fait travail. Piga, aucun policier qui mette absent sous clou, n'en prend la rue, mandé libération. Ça a fait dans la rue, démontrer que Massieu commence à tomber autour de ça qui est 609 là, qui c'est un groupe qui n'est pas marié avec l'ordre, avec discipline institution. Opération la rue, jeudi 17 là, marié avec même intérêt personnel qui te fait échec opération vendredi. Tout à coup, Phantom 509 profite de situation pour recommencer à faire des ordres parce que police l'a géré souffrance psychologique que l'homme offre d'Amli provoqué. L'arrivée sorti malgré population craché déjà sous vieille pratique liée qui s'est boulé machine à ouvert porte prison. Je prends la rue pour empêcher l'inspection générale d'établir la vérité sur ce qui s'est passé dans l'opération. Comme commandant chef, c'est de moi et c'est de voir pour me chercher connaître comment un plan qui était si bien préparé fait bailler un si mauvais résultat. Pour me fixer responsabilité et prendre bon genre de décision, même s'il est difficile. Je vais demander tous les policiers qui sont dans l'arrière pour rentrer dans la base. Des autres libérés policiers qui sont Garde à vue d'Elma, c'est un acte délinquant qui n'est pas cadré avec la loi. Comme ça, nous avons 10 policiers qui, de bonne foi, qui ont un droit de demander pour quoi camarade qui est dans le village. Mais ils ont des gens pour faire. Il faut que dans un moment difficile, tous les policiers évitent que les gens qui sont à la base de sa privé, directement ou indirectement, pas exploiter encore pour faire des cabesses. Institution de la police là, c'est solution la chercher à problème qui a rongé la société et spécialement le kidnapping. Il n'a pas fait partie du problème. Là. Mais le policier a revendiqué dans la rue, alors qu'il y a un canal aujourd'hui qui est syndicat pour faire un message de passé. Il n'a pas servi l'institution. Moi, je veux que les policiers comprennent qui danger ils mettent sous tête institution. Le yogi comportement ça. La police a pi grand passé tout membre li, même le li gen 25 ans. Nous tout a pralé, n'a quitté le. Mais nous pas gen droit quitter mauvais dette pour ça k'ap venir yo. C'est pour ça n'a demandé tout policier à population k'ap marcher côte à côte avec PNH là et souffrir avec li pour yo continuer croire dans li parce que li pas mouri et li pas gen droit mourir. Le ténèbre a fini. Lumière, Géboul, Blaï. Vive PNH, vive Haïti. Merci.